Bonjour, je m'appelle Sylvie, je suis infirmière et j'aimerais partager avec vous ce que je viens de vivre ces dernières semaines. Comme beaucoup, je pense, depuis très longtemps, j'étais enfermée par des blocages dus à des blessures passées qui proviennent de mon enfance, mon éducation ou d'événements douloureux que j'ai dû traverser. Je me sentais souvent triste, parfois seule, même s'il y avait des gens autour de moi. Et aussi en colère. La relation avec mon entourage était souvent tendue. J'étais irritable, parfois même dans la critique. Et je pensais que le comportement des autres était la raison de mon mal-être. C'était eux les responsables. Ils devaient changer. Je n'entendais pas l'aide qu'on pouvait m'apporter comme si j'étais en fait hermétique à toute main tendue. En même temps, forcément, puisque c'était les autres qui devaient changer. Et ce que je lisais et que j'apprenais, je le comprenais, mais je ne l'intégrais pas. Et puis j'ai rencontré Armelle en séance individuelle au départ. Et ensuite j'ai participé au programme Créer son propre changement. Son approche bienveillante et sa générosité m'ont d'abord touchée dans un premier temps. Et ensuite ce sont ses paroles simples, sincères et tellement justes qui ont ouvert quelque chose en moi. Elle m'a montré le chemin qui menait au bonheur et comment avancer sur ce chemin. Aujourd'hui, je suis apaisée avec les autres, mais aussi et surtout avec moi. Je vois la vie autrement. J'ai découvert que dans mon monde à moi, je pouvais décider de ce que je veux et de ce que je ne veux pas, ce qui est bon ou pas pour moi et ce que j'ai à travailler. Bien sûr, le chemin est encore long et plein de cailloux, comme dirait Armelle, mais je sais que j'avance et plus j'avancerai, plus ce chemin sera facile et beau. Et le plus important, c'est que c'est mon chemin, qu'il est parfait pour moi, parce que c'est moi qui l'ai créé. Voilà, j'espère que ce témoignage vous donnera envie, vous aussi, de créer votre propre changement et du coup, de prendre soin de vous.